Bonjour, ici Marco Chabot de Chasseur de la Nature. Je suis en compagnie d'Alain Pitre de chez Real Pitre Sport, détaillant ProPack à New Richmond. Salut Alain. Bonjour. Alain, on est rendu à l'achat de bottes. L'automne s'en vient, la chasse s'en vient. Les gens là, qui veulent avoir une botte, quelles questions faut qu'ils se posent avant de s'en procurer une? Bon, la question est très pertinente. Je vous dirais que c'est un. Dans les pièces d'équipement, au niveau vêtements, bottes, c'est la pièce la plus importante. Parce que, chaleur, assis pendant des heures de temps dans un tristaine ou à l'affût au pied d'un arbre, si on gèle, c'est pas confortable, on a tendance à vouloir se déplacer. Si on se déplace, solidité, confort, tonus au niveau du pied, paquet de facteurs. C'est sûr que si on a à chasser dans des terrains très humides, la botte style botte caoutchouc, bottes néoprène, si on prend ces modèles-ci, sont des atouts intéressants parce que on va aller chercher jusqu'à 12 à 15 pouces de hauteur au niveau de la jambe, donc imperméable jusqu'en haut, aucun joint, aucun lassage, aucune possibilité d'infiltration d'eau, une solidité médium au niveau du pied, bottes plus légères, si on prend des modèles comme ça, là, la très connue botte Nats en EVA compressée qui est extrêmement légère. Par contre, c'est une plume. C'est une plume comparativement à avant, les bottes Acton. Ouais, tout ça, c'est une demi-plume même. Mm. Sauf qu'au niveau de résistance, ça a une limite. Plus facile à percer. Par contre, à marcher en forêt, juste en milieu humide, ça va être correct. C'est du. Okay. En néoprène, est-ce néoprène, c'est ça. Là, on va chercher un 7 mm néoprène dans ce modèle-ci. Imperméabilité assurée, chaleur. Tonus, c'est parce que ça vient un peu serré sur la jambe. La semelle un peu plus agressive aussi, si on regarde là, plus de largeur, plus de traction. Très, très confortable. Moi, je dirais un choix intéressant pour celui ou celle qui ne sait pas nécessairement quel type de bottes s'acheter. Là. La série des mock boots comme ça, très intéressant. Un prix aux alentours de 150$. La première de tantôt, là, dépendant de camo ou de couleur unie, entre 70 et 90$. Les autres choix possibles, les bottes lacées, les bottes traditionnelles, on peut les avoir en couleur cuir, on peut les avoir avec des couleurs plus camo, vraiment pour les puristes de chasse qui veulent beaucoup de camo, on peut les avoir tout camo. Sauf que quand on a du tout camo, on tombe dans des bottes de nylon, c'est des couleurs imprégnées à l'intérieur, parce que sur le cuir du camo, ça ne tient pas. On va aller chercher un mélange cuir et nylon ici pour avoir du camouflage, de la légèreté aussi, puis du confort. On peut jouer entre 400 et 2000 g de tinsulate d'isolant à l'intérieur, ce qui va faire une botte à 400 g très légère. Condition septembre, oui. Pas trop froid. Les 1600 à 2000 g plus lourdes. Par contre, par temps froid de fin octobre, début novembre. OK. Chasse-carabine. Chasse-carabine, orignal, chevreuil. En chevreuil, souvent, on tombe dans des conditions de neige. Encore là, pour les bottes, juste finir ce qu'on disait. La botte de cuir, on va chercher des membranes imperméabilisantes comme les Gore-Tex, les Sympatex, toutes sortes de membranes qui existent sur le marché pour garder le pied au sec. Souvent, les cuirs comme tels, eux, peuvent imbiber un peu d'eau, mais l'eau, l'humidité ne se rendra pas au pied, ce qui garde un confort. Puis, la solidité aussi, le tonus du pied va être assuré par un lassage. On va chercher du 8 pouces puis du 10 pouces sur la jambe pour encore là aller chercher un maximum de soutien. Quelqu'un qui marche beaucoup, c'est sûr qu'on va conseiller une botte lacée. Quelqu'un qui est plus statique, qui va rester à des endroits plus longtemps, la botte en hauteur comme ça, là, dans les néoprènes. Il y a plusieurs modèles sur le marché. Là. Les gens peuvent venir nous voir, regarder ce qui existe en magasin. Mais je pense que tout le monde peut y trouver son compte là-dedans. C'est pas facile de s'acheter un vêtement de chasse qui va faire toute notre automne parce qu'on fait face à des situations ou des climats différents entre septembre et novembre. Par contre, ce qui est important, c'est un, rester au sec, avoir le maximum d'extorsion d'humidité du corps, de l'intérieur du vêtement vers l'extérieur, pour encore là être confortable. Puis aussi au niveau chaleur, là on va avoir des jackets soit très isolés, un peu plus légers pour les situations de septembre. Si on prend exemple ce petit modèle-ci, c'est vraiment un modèle plus léger. Fait par Rocky. Lui fait par Rocky, c'est avec des camos licenciés. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le camo est de plus en plus important. Comme je disais tantôt, il y a un peu de mode là-dedans.
Si on regarde là, comme un Realtree AP comme ça, AP pour All Purpose, c'est un camo qui a beaucoup de profondeur. On a l'impression que nos yeux rentrent à l'intérieur du vêtement, là, comme si on rentrait en forêt. Ça, je peux vous dire qu'à plus ou moins 40-50 pieds, quelqu'un qui ne bouge pas, c'est pratiquement impossible de l'identifier. Okay. C'est surprenant les camouflages, comment c'est rendu que ça va se confondre avec le décor. Petit manteau comme ça, plus ou moins 100$, isolé avec 100 grammes de tinsulé, très confortable, situation de septembre, octobre. On peut le porter en novembre, on va juste mettre un peu d'isolant à l'intérieur, soit un bon polar, un bon sous-vêtement pour augmenter notre coefficient de chaleur, mais toujours garder l'imperméabilisant, puis notre vêtement camouflage. Par contre, pour un peu plus de budget, si on prend exemple ce modèle-ci, c'est un modèle parka de Browning. OK. Ça, cette même veste-là peut aussi bien servir en septembre qu'en novembre, parce que c'est un 3 d'heure. Exact. Ça, c'est un peu le vêtement hybride qu'on peut faire notre saison de chasse au complet. On va enlever ou ajouter des épaisseurs à l'intérieur. Puis encore là, on peut rajouter dans conditions extrêmes de froid, un bon sous-vêtement, un polar en dessous de tout ça. Assis là, dans un mirador pendant des heures, on sait bien qu'en novembre, quand le vent se lève, c'est pas nécessairement chaud. Ça, c'est un vêtement qui peut servir très bien à ça. Le vêtement Browning, comme ça, nous offre différentes options, comme des grandes poches cargo, des cartouchières intégrées, on est capable d'aller insérer nos munitions, plein de petits compartiments. Ça s'intègre à l'intérieur de la poche cargo, donc au niveau espace, c'est très intéressant. La fermeture éclair est montée aussi avec une gouttière pour être capable de faire circuler l'eau en descendant et non pas de se rentrer directement vers l'intérieur pour venir mouiller les autres sous-vêtements en dessous. Ensuite de ça, au niveau des manches, comme ça, si on remarque, on a des manches avec des rabats en néoprène comme ça qu'on est capable de venir serrer complètement sur la peau pour empêcher l'infiltration d'eau à l'intérieur des poignets. Parce que souvent, les frissons nous partent... Les frissons vont faire que c'est parce qu'on a les poignets humides ou le haut du dos, le bas de la nuque humide. C'est ce qui fait qu'on souvent prend un frisson. Fait que c'est les endroits où on doit mettre l'accent pour vraiment garder ça étanche. OK. Bon, ben, garde, je te remercie beaucoup, Alain. Ça fait plaisir.